Eh bien, salut tout le monde, c'est Clash of Gold. Comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous reparler pour les sneak peeks donc, qui sont sortis depuis il y a 19h. Donc il y en a déjà 3 qui sont sortis, donc ça va beaucoup plus vite que d'habitude. L'année dernière, ils étaient sortis un peu plus tard et ils allaient moins vite. Parce que là, ils vont à un rythme toutes les 6 heures, ils en sortent un. Donc ce qui est plutôt pas mal pour nous. Et comme j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup beaucoup de nouveautés, c'est peut-être pour ça qu'ils vont plus vite. Alors passons à la dernière qui est sortie en date. Alors elle est sortie il y a juste 38 minutes, donc c'est que les tours d'archers vont aller 2 fois plus vite. Donc moi, pour moi personnellement, ça change rien puisque en dessous vous pouvez lire, ça fera que la moitié des dégâts. Donc ça va 2 fois plus vite et que ça fait la moitié des dégâts. Donc calculez dans votre tête, ça ne change strictement rien. Est-ce que c'était comme avant, sauf que peut-être que pour le style, il y aura 2 archers, il y aura 2 flèches en même temps. Ouais, un petit truc comme ça. Mais bon, personnellement, moi, je trouve ça plutôt pas mal, mais ça ne change pas trop trop d'avant pour les dégâts. Alors, le second qui est sorti il y a 7 heures, c'est les nouveaux niveaux pour les mines et les extracteurs. Alors, pour les mines, il y a un peu de choses nouveaux. Il y a les petits bidules, la jaune que je vous montre avec ma souris. Et pour les extracteurs d'élixir, il y a une nouvelle vanne, là, comme vous pouvez voir. Donc, moi, je trouve ça super intéressant pour beaucoup de joueurs de grand niveau qui ne récoltaient plus assez d'or et d'élixir grâce à leur petite foreuse mine et extracteur niveau. Niveau 11, donc le niveau 12 qui est un peu plus stylé en plus. Donc moi je trouve que ce n'est que du bien pour Clash of Clans. Alors le premier sneak peek qui est sorti, c'est celui bien sûr du sapin de Noël. Donc le sapin de Noël qu'on retrouve comme l'année dernière et l'année d'avant. Bon, c'est le plus beau hein, pour moi. Donc j'en ai connu qu'un seul moi, mais pour moi il est beaucoup plus beau que celui de l'année dernière. Donc je vais vous faire apparaître une petite photo de celui de l'année dernière qui était vraiment pas extraordinaire. Celui-là, vous pouvez apercevoir, il y a des boules de Noël, des sucres d'orge. Donc je trouve que pour le design, pour une fois, ils sont un peu foulés. Mais franchement, moi je trouve ça super bien fait. Et je me dis que ça ne peut que être bon, car en plus il y aura des petits cadeaux si vous vous souvenez, si vous jouez il y a. Si vous avez déjà 1 an d'expérience sur le jeu, c'est que vous avez connu les beaux petits cadeaux là qui tombaient grâce à Papa Noël et qui nous rapportaient 5000 d'élixir juste en ouvrant. Donc moi, une fois, j'avais réussi à avoir 100 petits cadeaux, j'avais récolté 500 000 d'élixir. Donc c'est une très bonne nouvelle pour cette année encore. Donc voilà, nous avons un peu fait le tour de ces sneak peeks. Donc à ce qui paraît, il y aura encore de la nouveauté dans les prochains jours. Donc demain, il devra avoir des sneak peeks, après-demain aussi, et jusqu'à la fameuse mise à jour qui ne devrait pas arriver dans trop longtemps. Bon, il y a toute la communauté qui l'attend avec impatience. Alors maintenant, j'aimerais un peu vous parler de mes examens. Donc je devais vous dire que moi, je serais plus du tout faire de vidéo parce que je suis en pleine période d'examen. Là, j'essaye de prendre 20 minutes à moi, donc jusqu'à vendredi ce sera pas possible parce que après vendredi j'ai les vacances, c'est fini. Moi j'ai jusqu'au 6 janvier, je suis disponible pour vous faire plein de vidéos. Donc voilà, comme ça c'était pour vous prévenir de mon absence. Enfin voilà, le but principal de cette vidéo, c'était surtout les sneak peeks. J'espère que cette vidéo elle vous aura bien plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à liker, commenter, et moi je vous dis tchuss, à la prochaine. C'était Clash of Gold, bis. Thank you.